Bonjour, je suis Myriam Moitié-Delmotte, je suis directrice de recherche du FNRS, professeure de littérature à l'UCL Louvain et pour l'instant vice-directrice de la classe des lettres sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique. Je vous propose de réfléchir aux besoins de rites pour nos morts à travers la figure mythique et littéraire d'Antigone. En cette période de pandémie, nous sommes en effet confrontés à une situation hors norme qui bouscule le moment de l'adieu à nos défunts et restreint nos rites mortuaires à si peu de choses que nous sommes profondément meurtris. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, une figure mythique a été associée à ce malaise, Antigone. Je vous propose de revenir sur ce mythe pour aborder deux questions. D'abord, pourquoi avons-nous besoin de rites pour nos morts et qu'est-ce qui est perturbé lorsque ces rites sont impossibles ? Et puis, que nous apprend la littérature contemporaine à cet égard quand elle invoque Antigone ? En 441 avant Jésus-Christ, Sophocle donne à la légende d'Antigone la forme d'une tragédie, celle du combat pour le respect des rites mortuaires pour un frère défunt qui en est officiellement privé. Les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, se battent pour le pouvoir et s'entretuent. Leur oncle, devenu roi, Créon, prend le parti d'Éthéocle et interdit les funérailles de Polynice considérées comme rebelles. Antigone ne veut pas admettre que l'on laisse son corps devenir la proie des bêtes sauvages, et elle brave l'interdit. Elle accomplit les rites funéraires seule. Sa sœur, Ismène, s'en abstient. Prise sur le fait, Antigone est condamnée par Créon à être emmurée vivante dans une grotte. Elle justifie son geste de désobéissance aux lois humaines par les lois non écrites des dieux, qui exigent qu'on ne laisse pas sans sépulture un membre de sa fratrie. À Créon, qui lui rétorque que le bon et le méchant n'ont pas un droit égal, elle réplique qu'elle n'est pas certaine que ce principe soit valable dans l'Hadès et qu'elle est faite pour propager l'amour et non la haine. Cette figure antique émeut toujours autant nos sensibilités contemporaines. Je vous propose de la considérer en regard de ce qu'elle signifie sur le plan anthropologique, puisque l'humanité est la seule espèce vivante à ensevelir ses morts. Seule l'humanité transforme le cadavre en défunt, dit Patrick Baudry. Cette transformation repose sur un rite, c'est-à-dire un ensemble de gestes et de paroles investis d'un sens symbolique partagé par ceux qui l'exécutent. Il y a trois moments essentiels décrits par Éric Crubezy. D'abord, voir le corps pour réaliser que la personne est bien morte et organiser une présentation du corps qui met en scène son identité, par exemple en uniforme pour un militaire. C'est la toilette et la présentation du mort. Puis, donner à ce corps les signes de son entrée dans un règne différent de celui des vivants. C'est la veillée funèbre où on l'expose entouré de bougies et de silence, dans un lieu séparé de l'agitation des vivants. Enfin, l'intégrer à la communauté des morts. C'est la mise en bière, la cérémonie des obsèques qui réunit les endeuillés pour lui dire adieu, la mise en terre ou la crémation, et l'attribution d'un lieu pour les cendres. Il s'agit de donner une place spécifique aux morts, fût-elle une pelouse de dispersion ou la mer, une place qui, pour les survivants, restera investi de sa mémoire. Ces éléments aident à accomplir ce que Marie-Frédérique Baquet présente comme les trois étapes invariantes du deuil. 1. Se remémorer la personnalité du défunt, ce qui de nos jours est une identité plurielle, d'où la multiplicité des discours qui témoignent des différents cercles d'appartenance de la personne. 2. Oser se représenter sa mort, la mettre en mots. 3. Se séparer pour retourner dans le monde des vivants sans lui, mais muni de son héritage moral ou affectif. Qu'est-ce qui est perturbé lorsque ces rites sont impossibles ? La perte d'un être cher est un moment de crise personnelle sur le plan affectif, mais aussi collectif. La communauté est privée de l'un des siens et doit pouvoir se reconstituer sans lui. Les rites permettent précisément de réguler ces moments de transition. Ils remettent de l'ordre dans le chaos et appellent à la cohésion des endeuillés autour d'affects et de valeurs partagées. Ces rites visent prioritairement à instaurer une séparation correctement accomplie entre le défunt et les vivants. C'est pourquoi circule la légende de la malmort. Le défunt, à qui on n'a pas ou pas bien organisé la cérémonie funèbre, est condamné à errer fantomatiquement dans le monde des vivants et à les tourmenter jusqu'à ce que les honneurs lui soient rendus. Donc, ne nous méprenons pas, les rites sont faits d'abord pour les vivants, qui ont besoin d'être rassurés et guidés dans ce moment difficile, afin de trouver un sens à ce qui a été vécu et à ce qui en reste, de traduire les émotions qui les submergent, de faire communauté autour d'une perte subie et de se conforter dans la douleur, et de retourner sereinement vers la vie. Quand les circonstances contrecarrent ce processus, le réflexe naturel des hommes est de tenter d'y arriver par une voie détournée, comme Antigone, parce qu'il y va de notre humanité.
En temps de guerre, Antigone devient la figure par excellence de la lutte pour récupérer le corps des combattants. Et le mythe peut être rejoint par la réalité. Ainsi, durant la Grande Guerre, au cours de laquelle la puissance de l'artillerie entraîne le déchiquetage des cadavres, la Belge, Jeanne Oriane, arpente les champs de bataille pour tenter d'identifier les corps pour les rendre à leur famille. 1100 soldats recevront ainsi une tombe décente. Et les guerres civiles, les dictatures, la Shoah, les génocides, les attentats signifient autant de cadavres déshonorés qui jonchent les routes ou la disparition volontaire des corps des ennemis pour les rayer de l'histoire. La littérature voit alors se multiplier les réinterprétations d'Antigone comme symbole du devoir de sépulture. Toutes les épidémies, et non moins celles que nous vivons actuellement, contraignent à la perturbation des usages funéraires du fait des précautions hygiéniques à prendre et de l'impossibilité de gérer le brusque afflux de cadavres. Claire Ferca le relate dans « Ces morts qu'on n'accompagne pas » dans la collection « Tracts de crise » chez Gallimard. Les morts sont immédiatement placés dans des housses étanches, jamais réouvertes, et évacués. Il y a impossibilité de voir les corps, ni de se rassembler autour d'eux, ni de se consoler par des étreintes. Tout au plus peut-on prononcer un bref adieu avec la cruelle obligation de sélectionner les rares personnes qui pourront y assister. Or, comme le souligne Véronique Knokar, aucune explication même scientifique ne peut colmater le déficit symbolique. Et les endeuillés éprouvent le sentiment culpabilisant d'avoir abandonné leur défunt, réduit à n'être qu'une chose malsaine dont il faut se débarrasser au plus tôt, et non pas une personne à traiter avec dignité. Que peut apporter la littérature contemporaine sur ces questions? La littérature peut intervenir pour combler le déficit symbolique. En particulier les textes qui évoquent l'Antigone qui se réveille en chaque endeuillé désemparé. Car au moment où le corporel est écarté, la parole est amenée à prendre le relais. Nous pouvons nous identifier à la révolte d'Antigone qui se dresse pour nous qui devons demeurer silencieux. Et nous sentir confortés par elle lorsqu'elle prononce les mots que nous sommes contraints à garder pour nous. Comme chez Henri Beauchaud, où elle crie « Adieu, cher frère, cher corps, pour qui je puis si peu ». Cette Antigone donne une interprétation très humaine des lois non écrites qui justifient son besoin de rite. Elle dit « Il existe une autre loi qui est inscrite dans le corps des femmes. Tous nos corps, ceux des vivants et ceux des morts, sont nés un jour d'une femme. Ils ont été portés, soignés et chéris par elle. Une intime certitude assure aux femmes que ces corps, lorsque la vie les quitte, ont droit aux honneurs funèbres et à entrer à la fois dans l'oubli et l'infini respect. » Mais sa sœur Ismène ne l'accompagne pas pour préserver sa vie. « Je vais devoir me taire comme font les femmes depuis toujours, les femmes qui ont des enfants, » dit-elle. Une nuance importante se glisse là dans le discours contemporain. L'héroïsme d'Antigone n'est pas la seule voie admirable. L'Antigone de Beauchaud cherche d'ailleurs elle-même à préserver sa sœur enceinte de la menace de Créon, et elle refuse le soulèvement populaire qui veut prendre sa défense pour éviter la violence. « Pas de sang à cause de moi, » dit-elle. La littérature permet aussi d'entendre ce qu'elle seule peut rendre audible, à savoir le point de vue du défunt lui-même, comme dans la conférence de Polynice de Caroline Lamarche. Polynice déclare, non sans humour amer, qu'Antigone a voulu, d'un perdant abject, faire un perdant magnifique. Ce qui était certes motivé par l'amour, mais qu'elle a payé bien trop cher, car rien ne vaut la vie. Cherchons, dit-il, cherchons qui, dans cette masse de morts, discrètement survit. Polynice s'adresse alors avec tendresse à Ismène, dont le courage est bien plus discret. Elle est la seule, dit-il, qui ait compris, sans les leçons de personne, que c'est dès le principe qu'il faudrait renoncer à chercher l'impossible. Une phrase reprise à Sophocle qui traduit une philosophie stoïcienne. Il engage à prendre soin surtout de sa propre vie. Ne viens pas, ne te penche pas sur les restes de ton frère. Va ton chemin parmi les bêtes et les arbres. Laisse les morts enterrer leurs morts. La même valorisation d'Ismène s'observe chez Axel Cornil dans la pièce « Si je crève, ce sera d'amour », où l'excès de chagrin devant l'injure faite au cadavre plonge Antigone dans une folie autodestructrice, tandis que sa sœur est la seule survivante de la tragédie. « C'est la figure la plus belle, bizarrement, » dit l'auteur, car
Pour être un survivant, il faut avoir accepté de se compromettre avec le réel, d'être, à l'inverse d'Antigone, dans le compromis. Ce compromis avec le réel, voilà qui résonne tout à coup très différemment à nos oreilles en temps de pandémie. Car le premier danger que courent les vivants est bien de s'obstiner à faire fi des contraintes de cette période et d'ainsi contaminer à leur insu leurs semblables. Il nous faut donc rendre à nos morts l'hommage digne d'eux avec les moyens symboliques qui permettent de le faire sans danger. Et là, la littérature peut jouer un rôle capital. Ainsi l'initiative du poète national Karl Norak, qui réunit sur le site Fleurs de funérailles des textes de deuil de différents écrivains pour que les endeuillés puissent offrir des bouquets de poésie à leurs défunts et les accompagner ainsi symboliquement. Les registres et les sites web de deuil peuvent aussi permettre à chacun d'exprimer aux défunts son hommage et de s'inscrire dans la communauté des endeuillés. Comme Antigone, il est clair que nous ne pouvons pas nous passer des rites pour nos morts, car ils font partie intégrante de notre humanité. Mais nos défunts eux-mêmes, s'ils pouvaient encore parler, ne nous diraient-ils pas, comme Polynice, que ce que nous avons à faire de mieux est de ne pas mettre notre propre vie en danger? Il n'y a sans doute pas lieu de mépriser ce « compromis » qui nous engage à recourir à tous les moyens symboliques qui nous sont donnés pour accompagner nos défunts dans l'immédiat. Nous préservons ainsi nos chances d'avoir, après la pandémie, l'occasion de nous réunir et de traduire par des étreintes réelles notre douleur face à notre commune condition de mortel. Si vous voulez approfondir ces questions, je vous propose une brève sélection bibliographique. Bonne lecture !